ministre. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz pour Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, la situation de nos finances publiques est préoccupante et sérieuse. Ce sont les mots lourds de sens prononcés par le président de la Cour des comptes en rendant son rapport annuel pour 2024. De quoi parlons-nous ? D'un budget insincère et caduque, d'une annulation de crédit à hauteur de 10 milliards d'euros, un record 2 mois après le vote du budget, d'un endettement public estimé pour 2024 à 109,7% du produit intérieur brut, d'un déficit à 4,9% du PIB, plus élevé que partout ailleurs en Europe. La fin 2023 a été catastrophique. 4,4 milliards de moins pour l'impôt sur les sociétés, 1,5 milliard pour l'impôt sur le revenu et 1,4 milliard pour la TVA. La réalité, c'est que vous ne disposez plus d'aucune marge de manœuvre budgétaire pour redresser les comptes publics et rester ainsi dépendant de la remontée très hypothétique des recettes fiscales. Votre opération vérité n'aura convaincu personne. La Cour des comptes estime à nouveau que votre prévision de croissance à 1% reste élevée et les objectifs de déficit fixés difficilement atteignables. Pire encore, les incertitudes liées à l'oscillation des taux d'intérêt combinées à une dépense publique non maîtrisée risquent de rendre caduque toute la trajectoire des finances publiques d'ici 2027. La Cour des comptes estime qu'un effort sans précédent de 50 milliards d'euros d'économies nouvelles seront nécessaires entre 2025 et 2027. En somme, en raison de votre incapacité chronique à maîtriser nos comptes publics, vous êtes désormais face à une montagne de dettes et vous tentez d'atteindre le sommet sans corde de sécurité. La clause dérogatoire est enlevée. Qu'arrivera-t-il pour notre pays lorsque les procédures pour déficit excessif seront ouvertes au printemps 2024 ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Tona Cazenave, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Marie-Christine Dalloz, vous le dites et je sais que vous le partagez. Pierre Moscovici le disait dans les colonnes des Échos ce matin, la situation est préoccupante. Et c'est la raison pour laquelle nous nous en préoccupons de la situation des finances publiques. Et vous le savez, nous avons avec Bruno Le Maire décidé d'annuler 10 milliards d'euros de crédit. Pour quelles raisons nous avons fait ça ? Parce que nous avons constaté, comme vous d'ailleurs, une chute rapide de nos recettes en fin d'année, de près de 8 milliards d'euros. Et il aurait été irresponsable et insincère de ne pas réagir tout de suite pour ajuster nos dépenses à nos recettes. Mais je veux aussi retenir, Madame la députée, les points de convergence avec le premier président de la Cour des comptes. D'abord, il nous dit, vous avez bien fait d'annuler 10 milliards d'euros, parce que oui, il faut redresser les finances publiques. Il salue le lancement des revues de dépenses qui nous permettront, politique publique par politique publique, d'identifier des économies. Et oui, nous savons que le projet de loi de finances pour 2025 est un projet de loi de finances exigeant, Madame la députée. Nous avons déjà l'occasion d'en débattre en commission des finances. Et il salue à tel point cette revue des dépenses qu'il souhaite s'y associer et que la Cour des comptes va travailler avec nous à l'identification de pistes d'économie, que ce soit des dépenses d'assurance maladie, que la participation des collectivités territoriales. Et parce que Madame la députée, les finances publiques, je le sais, c'est l'affaire de tous. La Cour des comptes participe avec nous à cet exercice et je ne peux que vous encourager avec nous à travailler dès maintenant à l'identification d'économies pour redresser ensemble nos finances publiques. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame Dalloz. Je me pose la question à savoir quand la France cessera d'être le pire élève de l'Europe et cet été, risquons-nous une crise de la dette, Monsieur le ministre. Je vous remercie.